Ce soir à 20h50 sur France 3, il n'y a pas d'âge pour tirer des plans sur la comète, n'est-ce pas, inspecteur? Est-ce qu'il va comme ça? Laisse-le partir. Gaffe, Derrick arrive. On ferait mieux de monter dans nos chambres. 22h55, dimanche soir, Christine Ockrent et Gilles Leclerc reçoivent Robert Hue pour une journée et un débat en direct. Qu'est-ce que t'as encore dit, toi? Moi? Oui, toi. Qu'est-ce que t'as encore dit, petit salaud, hein? C'est toujours la même chose. Chaque fois que j'ai de l'eau tournée, ça recommence. Minuit 5, après soir 3, voici le temps des assassins de Julien Duvivier avec Jean Gabin, Gérard Blin et Daniel Delorme au cinéma de minuit. 20h50, inspecteur Derrick. 22h55, dimanche soir. Minuit 5, voici le temps des assassins au cinéma de minuit. Si on le laissait faire, Derrick interviendrait même au cinéma de minuit ce soir sur France 3. Bonjour et bienvenue sur le plateau Keno, en direct sur France 3 et sous contrôle de Maître Marciro, huissier de justice, pour le tirage de ce dimanche 24 novembre 1996. La table tourne déjà et nous retrouverons les 20 numéros gagnants d'ici quelques secondes. Mais tout de suite, voici le numéro top Keno de ce jour. Il s'agit du 608-19-410. Les 20 numéros gagnants sont 41, 42, 69, 63, 23, 10, numéro 3, 44, 52, 45, 59, 26, 18, numéro 8, numéro 48, numéro 5, 55, numéro 2, numéro 9 et numéro 30. Un seul numéro pour retrouver tous ces résultats, le 08 36 65 7000. Le Keno, c'est sur France 3, mais à 13h30 du lundi au vendredi et à 13h le samedi et le dimanche. Excellent dimanche à tous et à demain 13h30. De mire de Jacques Chancel avec Jean Edernalier et Bernard Rapp tout de suite sur France 3. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Thomas Magnum. Mon nom c'est Joseph Matula. Paco. Agnès Nicole. Ben Cutter. C'est Maître Franck. C'est pas la peine de nous présenter. Je suis détective privé. Je suis détective privé. Je suis Marshall. Où peut-on trouver ces types? Ils arrivent tout de suite. Je te jure que mon frère saura les retrouver. Montre-toi. Je suis là. Débarrassez-moi de lui. Quoi de neuf sur France 3? Il fait chaud. Un après-midi explosif. On pourrait peut-être en discuter, non? À 14h, un cas pour deux. 15h20, le shérif de Santa Fe. 17h, Magnum. Découvrez le vrai visage de l'aventure sur France 3. J'espère qu'on va arriver à temps. Ouais, si tu traînes pas en route. Allez, appuie. Surmené. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vivamine, un médicament réservé à l'adulte. France 3, avec Festi Magique, vous présente Scène de rue. On m'avait pourtant dit qu'elle était là. Bon, fini la petite auto. Père, je passe. Fini les vacances au crottoir. Oh, je passe pas. Fini le tiercé. Et encore pas, c'est ouvert. Lundi à 20h50 sur France 3, avec Jean Lefebvre, gros bouchon à prévoir sur le périphérique. Juré.
Bienvenue à Ligne de Mire, nos invités. Jean Edernalier. Bernard Rapp. Tout de suite, le bloc-notes de la semaine. Lundi, l'œuvre parfaite. Force du texte, celui d'Antoine Blondin, talent des interprètes, Gabin et Belmondo, drôlerie de la mise en scène signée Verneuil. La belle ivresse d'un singe en hiver. Mardi, Taratata dans ses habits de fête, une chanteuse connue depuis 10 ans, mais totalement révélée en 96, Céline Dion. Encore un cadeau du Québec, beauté de la voix, pour elle, des publics immenses partout dans le monde. Jeudi, la femme aux deux visages. Cette semaine, elle était grand-mère sur France 2 dans Le bébé d'Elsa et le jour d'après, gendarme adjudant sur TF1 dans Une femme d'honneur, Corinne Touzet ou L'énergie débordante. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai besoin d'apprendre des choses nouvelles, j'ai besoin d'aller dans des nouveaux pays, rencontrer des nouvelles personnes, etc. C'est ça mon truc. Donc si la femme d'honneur peut me permettre de voyager, d'apprendre le karaté, d'apprendre la boxe française, de faire de l'hélico et tout, je peux durer, moi, oui, si les gens ont envie de me voir. Vendredi. Toute la presse en répète l'écho. Daniel Gilbert revient aux affaires et tente la difficile ascension du Trésor sur les collines de Paris-Île-de-France. La première d'autrefois sur la 3 d'aujourd'hui. 30 minutes de programme quotidien, en direct, en stricte convivialité, actualité et joie de vivre. À la bonne heure, c'est le titre de l'émission, où il y aura des jeunes artistes qui n'ont pas, des artistes qui n'ont pas toujours l'occasion de se produire à la télévision, puisqu'on va surtout ceux qui sont confirmés. Il y aura un jeu, il y aura des personnalités, des gens qui apportent quelque chose et qui ont quelque chose à montrer et qui, bien sûr, font partie de la région. Il y aura des rubriques, il y en aura une qui concernera l'emploi, il y aura une revue de presse également. Et surtout, l'ambiance générale sera une émission spontanée, naturelle, avec des petites surprises chaque jour. Pas du tout un concept rigide. Et c'est une émission de proximité et de convivialité. Samedi, manifestation plurielle pour une célébration. André Malraux quitte le parc solitaire de Verrières-le-Buisson pour entrer solennellement au Panthéon. Deux retransmissions en direct sur France 2 avec Claude Sérillon, sur TF1 avec Charles Villeneuve. Malraux. Dans Lazare, le retour, prononce son propre éloge. Je pense que si on a envie de savoir ce que Malraux pense de lui-même, lui qui considérait la mort comme un couronnement suprême de la vie, eh bien, il suffit de lire ce livre. J'espère que nous avons fait passer aussi cette idée. Samedi encore, après le Panthéon, la salle des fêtes, celle du cœur au chaud, où Patrick Sébastien, dans un registre plus simple, rend grâce à Eddie Mitchell, vieux rocker des Sixties. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu, il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru, parler à mes fidèles sur ce ton. Une émission spéciale de TF1 ce mercredi à 20h50, Les Enfants de la Guerre. L'occasion pour Luciano Pavarotti de lancer une association dont il est le parrain, War Child, et dont nous ne savons rien. Si un tel programme peut aider les déshérités du monde, nous ne pouvons qu'encourager l'initiative. Mais peut-on raisonnablement aborder les douloureux problèmes de la guerre entre chansons et musiques endiablées? Question immédiatement tranchée, puisque l'émission existe et qu'elle est diffusée dans un bel accompagnement d'annonces triomphales. L'affiche est belle, Mylène Farmer, Charles Aznavour, Florent Pagny, Jesse Norman, Céline Dion, Sylvie Vartan, Ophélie Winter, bien d'autres encore, et évidemment, puisqu'il en est l'inspirateur, Luciano Pavarotti. Ne serait-ce que pour lui, mais à la seule condition qu'il ne soit pas seulement de passage, le rendez-vous mérite grandement d'être noté. Cet extrait pour réchauffer l'écoute et alerter les gens heureux contre la voix des armes, la voix de Pavarotti.
Dans un jeté battu de livres, Jean Hévernalier fête cet automne la centième de son programme culturel sur Paris Première. Avant que de faire le point sur ce programme foufoufou avec le battleur de service, quelques images en désordre. J'ai une solidarité de perruque, de moumoute avec Guy Bedos. Ce Guy Bedos, homme de grande conscience de gauche, qui vient d'être condamné pour avoir viré ses domestiques portugais. Guy Bedos, donneur de morale de la gauche caviar, qui pue là derrière les poubelles de Le Doyen. Alors, je vais retirer cette perruque qui me gratte déjà suffisamment. Je vais me gratter les aisselles avec. Gilles Mézoli, chez Flammarion. Alors là, vraiment, c'est l'abjection. Je le jette avec tous les déchets de poulet. Les déchets de poulet avec toute la pourriture de la... vraiment des faux mythes modernes. Vous avez écrit aussi un livre sur le régime, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais tout oui, mais comment ça va? Ouais, je suis un peu souffrant aujourd'hui. Je sais pas, je me sentais avant l'émission que vous étiez un peu tremblant, etc. Vrai, vous avez les mains. Un poulet. Vous avez les mains. J'ai garçon, un poulet, mais garçon. Ça doit pas être non, la même garçon. Vraiment, ça pas. Hein. Non, mais. C'est, ah oui, vous êtes complètement oui, transpirant. Non, moi, je le trouve très sympathique. D'ailleurs, je trouve que sur ce là-dessus, il serait bien mieux à la place de Paulo Sunizer. Nous allons, tout à l'heure, nous allons l'interviewer. Alors, poulet sacré, bourgeois, alors, quand écriras-tu ton premier roman sur les transports indignes et infâmes dont tu as été la victime? Et est-ce que vous êtes prêt à manger des pommes, vous qui êtes marginalisé sur l'extrême gauche ou sur la gauche morale? Moi, je choisis pomme, mon chemin. C'est pas mauvais, même une pomme solitaire. Républicaine du côté oui, de Séguin. C'est une tentation non. Que je peux partager avec d'autres. Hein? Jean-Hévernalier, ce n'est pas une émission, c'est du cirque. Ben oui, on entend que vous. Mais c'est et les bien. Autres ont le droit de parler quand même. Mais écoutez, on n'entend que pour l'instant, parce que. Et maintenant, on va n'entendre que moi. Enfin, de toute façon, il y a des images pour ne pas voir, de la musique pour ne pas entendre, et des idéologies pour ne pas penser. Et je pense que la télévision moderne doit mettre en scène. On ne sommes pas seulement des hommes troncs, vous comprenez? Donc des poulets, des choses qu'on jette, tout ça fait partie Bedos, du cirque de la vie. Bedos, ne vous a pas encore giflé? Non, mais il n'y arriverait pas de toute façon. La question n'est pas là, c'est que Guy Bedos est un personnage que je trouve complètement... Enfin, je ne veux pas faire de polémique non. Contre Guy Bedos. Il n'est que pas c'est, là, de c'est, il faut la c'est, faire en face. C'est, pour moi, hein? C'est quelqu'un de... Pour moi, de, c'est... Voilà vraiment les clowns. Je veux dire, moi, personnellement, je ne suis pas... Non, clown. Pour moi, c'est un grand humoriste, mais je crois que nous ne partageons pas les mêmes idées. Vous êtes sur tous les fronts de la polémique, Jean Hévernalier, toujours exubérant, dominateur, mais... Suffit-il de dire que l'on a du génie pour être génial? Parce que vous dites souvent, je suis le meilleur, j'ai du génie. Non, oui. je ne le dis pas. Je ne veux pas le dire, et d'ailleurs, seule la postérité répondra à ma place. Déjà, vous croyez à la postérité? La postérité, c'est ce qui repousse après la mort. Mmh. C'est comme les ongles. Mmh. Et alors, les ongles poussent. Peut-être qu'on découvrira dans mon cercueil ou dans mon caveau de famille un immense ongle comme ça. Peut-être qu'on ne découvrira rien du tout, n'est-ce pas? Donc, vraiment. S'il y a quelque chose qu'un écrivain, un artiste ou un créateur ne peut pas déterminer d'avance, c'est la postérité. Et s'il y a quelque chose dont il rêve de son vivant, c'est encore la postérité. C'est pour ça qu'il y a l'Académie française qui s'appelle Les Immortels. C'est pour ça qu'on essaye d'être dans les classiques de son vivant. C'est pour ça qu'il y a des Pléiades. Vous comprenez, il y a une simulation de la postérité qui est faite par tous les artistes. Mais vous fêtez aujourd'hui la centième du Jean Hederns Club. Je veux dire, là, vous affirmez la durée. Jamais vous n'auriez pu penser que vous iriez si loin. Et je me demande si une autre chaîne, une chaîne généraliste vous appelait, je me demande si vous ne diriez pas oui. Ce qui serait une manière de trahir Paris Première. Non, je reste très attaché à Paris Première et quoi qu'il arrive, je resterai toujours chez eux comme le phare, le fanion, le petit drapeau de cette merveilleuse petite chaîne qui d'ailleurs devient de plus en plus grande avec le satellite et qui est quand même regardée par beaucoup plus de gens qu'on ne peut l'imaginer. Mais enfin... si une grande chaîne m'appelle, par exemple, bon, si je devais succéder à Pivot, eh ben je veux bien. Je crois que par donc exemple, là il y aurait une trahison. Non, il y aura pas. Non, je continuerai sur Paris Première, mais je trouve que Pivot m'a attaqué, donc je réponds à Pivot. Je trouve que Pivot est fatigué et que Pivot. Je ne le trouve pas fatigué du tout. Si, hein. Si, il est très fatigué. Vous êtes jalouse. Non, je suis pas du tout jaloux. Mais non. Sur M6, où je vais recommencer dans 15 jours, j'ai une audience double ou triple de celle de Pivot. Mais ça n'est pas vrai, vous le savez bien. Si, c'est de 12 à 17 et lui il fait 2 à 8. Mais la question n'est pas là. La question n'est sûrement pas là. Je reproche à Pivot aujourd'hui de ne plus lire les livres.
Alors, moi, je ne lis pas les livres non plus. Ah, attention, oui, je ne lis pas les livres alors non moi, je plus. Peux dire qu'il les lit. Mais je connais la littérature. Alors, il y a un grand conflit aujourd'hui entre Pivot et moi. On va voir comment ça va se... Oui, se... et si Pivot vous appelle, demain, vous allez me dire, Pivot est le meilleur et le plus grand. Mais il est évident que Bernard, et Bernard et moi, nous nous connaissons depuis 30 ans. Nous avons débuté ensemble dans la carrière. Il est bien évident qu'on tombera dans les bras de l'un de l'autre. Mais Pivot m'a attaqué dans le journal du dimanche. Je ne lui ai pas répondu parce que je l'aurais écrasé. Ça aurait été le pavé de l'ours. Mais grâce à ces attaques, mon livre a bondi de la 15e place de la liste des meilleures ventes à la 3e. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même, quelque part, une influence littéraire de Pivot, puisque quand il vous attaque, on se vend d'abord. Jean Hivernalier, votre 100e émission du Jean Hivernalier de Sport était réservée à André Malraux. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi? On a vu Jean Hivernalier, devant le Panthéon, se prenant pour Malraux qui parle de Jean Moulin. Oui, écoutez, mais c'était étonnant, ça. Ça m'amusait beaucoup de faire le discours, en tout cas. Je suis content. Vous auriez accepté si on vous avait demandé de le faire? Non, je trouve que Boris Schumann est l'homme indiqué, parce qu'il a été siégé à la droite de Gaulle et Malraux siégé à gauche. C'est un type absolument remarquable d'un certain âge, et c'est le témoin, si vous voulez, de cette grande génération qui est en train de lentement disparaître. Moi, je marque une modernité plus grande, si vous voulez. Nous vivons dans un monde où il n'y a plus d'histoire, où la France, il faut bien le dire, entre lentement dans le chemin de la médiocrité, et où la modernité n'a plus la même forme, n'est-ce pas? J'ai toujours suivi mon siècle, mais en surfant sur les vagues. Et j'ai toujours suivi les modes, mais en les précédant. Car comme Cocteau le disait, les modes, j'aime les modes parce qu'elles meurent jeunes et je ne veux pas mourir avec. Jean-Hivernalier, les caricaturistes vous prennent maintenant dans leur filet. Sur Canal+, les déchiens aiment à vous croquer. Vous avez vu ce qu'ils font? Non. Les déchiens, rappel de la morsure. 3615, code enfant naturel. Vous aussi, vous avez peut-être dans votre quartier une vedette qui a laissé un enfant naturel. C'est normal, c'est la vie de nos stars et c'est le tourbillon de la vie. Et c'est grâce à vous que l'on peut des fois découvrir des enfants de nos grandes vedettes. Aujourd'hui, j'ai le fils de Jean Hivernalier, Bernard-Henri Allier, qui vient nous dire quelques mots, qui vient nous parler de sa vie. Alors, quelle est la vie de Bernard-Henri Allier? Ouais, tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Je suis très heureux de participer à cette émission. Ben, oui. Que je regarde, vous avez énormément de talent. Je vous remercie. Alors, comme votre papa, vous aimez les livres? J'adore lire, mais là, j'adore. Je fais un constat sévère de cette littérature du creux, du vide, qui résume le renoncement de la pensée, évidemment, qui résume ce 20e siècle. Oui, d'accord. Vous ne connaissiez pas cette séquence des chiens. Là, on a vu votre fils. Il a tous les tics du père. Non, en tout cas, Bernard-Henri est sorti de ma cuisse. J'ai voulu refermer et recoudre, mais il n'y avait rien à faire. Il s'est appelé Lévi. Mais enfin, je ferai d'autres enfants et le propre des enfants, c'est de vouloir de tuer les pères. Mais vous aimez à être imité. Cela prouve que vous existez. Laurent Gérard le fait également très bien. Je suis pas... Bon, écoutez, l'être humain est sensible à la flatterie. L'être humain est sensible à la gloire. L'être humain est sensible à la célébrité. Il n'y a rien à faire. Bon, Les gens Hivernalier un peu plus que mais les non, autres. Mais non, je le suis, mais je voudrais que ce soit pour mon courage et pour moi... Pour mon audace. Et je dois dire que c'est une ivresse à laquelle je suis très sensible. Et si je la perdais, bien, il faudrait que je vive alors, à ce moment-là, perdu dans un monastère, dans un ascétisme absolu, ce qui est une autre forme d'ivresse. Vous ne pourriez pas vivre dans l'anonymat? Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude, en tout cas. Mais je terminerai peut-être moine. J'ai presque juré de le faire après ce qui m'est arrivé à Lourdes, où j'ai retrouvé, en tout cas, demi-miracle, mes couleurs. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. On s'arrête un instant, parce qu'en effet, je vous ai vu à Pau, vraiment quelques heures après votre miracle lourdais. Alors, vous avez trempé votre tête dans l'eau de la grotte et vous avez recouvré la vue. Les couleurs sont revenues dans la journée. Et vous me voyez mieux qu'avant, là? J'ai combien de doigts? Votre 5, bien sûr. Mais non, là j'en ai 4. Si vous avez... Pardon. Si vous aviez un 6e doigt, comme dans Romy Schneider dans le procès de Kafka, n'est-ce pas, je le saurais. Parce qu'il y a une scène extraordinaire où Romy Schneider va dire à Orson Welles,
ou au Tony Perkins, venez voir, j'ai une monstruosité. Enfin, j'imaginais que vous aviez cinq doigts. Il vous est arrivé un accident, quoi, avec non, votre je vous cercle montré. Dans la montagne. Vous ne me voyez pas, là? Non, je vois quelque chose de rose, je vois quelque chose de rouge, je vois quelque chose de blanc, je vois vos cheveux blancs, mais malheureusement... Vous ne voyez pas mes doigts. Il reste une certaine incertitude crépusculaire. Alors vous prétendez... Mais enfin, je vais retourner à Lourdes, j'aurai un autre miracle. Et puis de toute façon, dans notre société, il faut croire au miracle. Notre société ne croit plus au miracle. Et ça aussi, oui. C'est désolant. Vous prétendez souvent qu'il n'y a plus de grands écrivains en dehors de vous. Et je serais tenté de dire que c'est un peu de paranoïa, quoi. Non, écoutez, alors... Non, mais vous me confirmez Balzac, ou vous affirmez, hein. Balzac et Nabokov disaient qu'ils étaient les seuls grands écrivains de leur temps... Et... Ils avaient raison. Je crois qu'il y a des écrivains. Il y a même de très très bons et très grands écrivains, mais qui ne sont pas connus. La dimension médiatique des choses a changé le monde et a favorisé une certaine imposture, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans le mot imposteur, dans la définition du mot imposteur, il y a... du littré, il y a malfaiteur des apparences. Donc ça privilégie, si vous voulez, les Bernard Tapie, les Bernard-Henri Lévy, les Marie Calter, un certain nombre de gens. Et là, tout de suite, vous en profitez pour lancer quelques noms. Non, mais je le donne tous quelques noms. C'est les noms de ceux qui, en ce moment, ne disent pas que vous êtes le très grand, quoi. Non, mais enfin, ils ne disent rien, de toute façon. Je veux dire, bon, et ces imposteurs, bon, sont là et règnent en maître. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça aussi, je crois? Et que c'est ça la force de la postérité, c'est qu'elle répare, c'est qu'elle corrige, c'est qu'elle remet les choses lentement en place. Alors, quels sont les grands écrivains de maintenant? Les vivants, c'est plus facile de parler des vivants. Quand je vois, par exemple, les gens du Goncourt, bon, ben, ce sont des écrivains tout de même de deuxième ou troisième ordre. Il faudrait, par exemple, pour les jurys littéraires, tous les ans, je reviens contre les jurys littéraires. Cette année, je ne me suis pas engagé contre, peut-être parce que j'espérais, on sait-on jamais, avoir le Goncourt à mon non, tour. Vous y avez etc. cru ben Je n'ai pas cru, je n'ai pas cru, mais je me suis les dit... Les puissances du mal, bon, ce n'est pas un roman. Je me suis dit, oh, on ne sait jamais, il peut y arriver une histoire à la Marguerite Duras, une histoire à la Céline ou à la Malraux. Et là, vous auriez dit, ils sont formidables, ces messieurs du Goncourt. En tout cas, je les aurais remerciés poliment. Mais puisque ça n'a pas eu lieu, je me pose le problème de savoir de combien était le chèque d'Albin Michel à François Noëssier. Car nous avons vu que François Noëssier... Ça, c'est de la diffamation. C'est la diffamation que j'assume. François Noëssier a tout de même publié un livre chez Albin Michel, Les plus belles histoires d'amour, à 15 jours avant de voter pour cet auteur Albin Michel. Je veux dire, le niveau de corruption et de médiocrité... De tout ce que vous pouvez dire. Mais écoutez, Calix Belaïa n'a pas écrit une ligne de son livre. Enfin, voyons, je sais bien, je vais même dire à la télévision, n'est-ce pas? Bon, après avoir plagié Howard Buten l'année d'avant, d'avoir repris mon titre, Les Honneurs Perdus, il n'y avait plus qu'à l'honneur perdu de Calix Belaïa, de François Mitterrand. Ben, je veux dire, je suis un professionnel de l'édition, je sais un certain nombre de choses, je suis un professionnel du goût, de la critique, et c'est pour ça que le Jean Edermes Club marche très bien, c'est parce que j'ose dire des choses que personne ne dise. Et les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de vérité. Jean-Yves Vernalier, je vais vous présenter un reportage qui concerne la télévision irlandaise. En Irlande, nos amis souhaitent vraiment revenir à la langue gaélique. Reportage d'Olivia Delpo. Il faut aller en Irlande, au fin fond du Connemara, pour trouver au XXe siècle des défenseurs d'une des plus anciennes langues d'Europe, le gaélique, langue officielle de la République d'Irlande. Et l'ennemi du gaélique, eh bien, c'est la télé. La télévision nationale irlandaise, la RTE, ne parle qu'en anglais et importe des programmes à tour de bras. Alors, on parle d'une télé en gaélique depuis longtemps. Depuis le début du mois, la nouvelle chaîne TNAG est une réalité. Quelque temps avant, nous étions parmi eux en plein chantier. Nous démarrons dans 6 semaines. Prêt? Heureux? Oui, enfin, il reste beaucoup de travail à faire, oui. Sur presque 4 millions d'Irlandais, 60% comprennent le gaélique, mais peu en fait le parlent couramment. Il s'agit donc d'un pari, TNAG, mis sur la modernité pour attirer les téléspectateurs et préserver la langue gaélique. Je pense que nous allons surprendre beaucoup de monde. Really? Yes. Which way? Et de quelle façon comptez-vous surprendre? Bah, écoutez, certains pensent que qu'irlandais signifie 19 ou 18e siècle, mais nous nous dirigeons vers le 24e siècle.
Nag, pour commencer, émettra 3 heures de programme par jour, le soir, rediffusé en partie la journée. Infos, séries, soap opéra, mais aussi programmes pour enfants en bas âge. C'est eux qui assureront la survie de la langue. Il était temps. Cette chaîne, les Irlandais l'attendaient. Oh oui, mon Dieu, nous attendons cette télé depuis si longtemps, depuis que la télé existe, sans doute. Ça fait en tous les cas 15 ans que nous en parlons régulièrement. And litter you, ain't it? Avrien, could you know I think I litter you? Je pense que les gens veulent vraiment se sentir irlandais. À une certaine époque, ils considéraient comme un handicap le fait de ne parler que le gaélique à leurs enfants, que ce soit pour trouver du travail ou faire des études supérieures. Mais aujourd'hui, à la télévision, l'anglais est partout. Les Irlandais sont donc plus enclins à parler le gaélique à la maison afin que les enfants l'apprennent. Êtes-vous bilingue? Vous n'avez aucune notion de gaélique? Pas de problème. Les mots ne sont pas nécessaires pour apprécier TNAG. Par ailleurs, certains programmes sont sous-titrés. L'équipe du journal travaille d'arrache-pied. La plupart des journalistes ont à peu près 25 ans, ni mauvais réflexe, ni engagement idéologique, mais une envie. Faire un journal pour tous les Irlandais, en bon gaélique, avec un ton moderne et gai, et un propos objectif. La motivation de tous est évidente. Les expérimentés autant que les débutants, ils ont quelque chose à faire ensemble. C'est très excitant. Nous nous donnons à 100% dans ce projet et nous y arrivons. Sur TNAG, vous verrez des documentaires inspirés aussi bien d'histoires privées et intimes que du domaine public et du fait divers, en restant proche des réalités de la société irlandaise contemporaine. Des phrases à lire entre les lignes, vous l'aurez compris, un engagement qui sent la poudre et la politique. Donc une idée de la télévision irlandaise, une chaîne, la langue essentiellement gaélique. Comment réagissez-vous, Jean Hivernalier? Quand une langue se crée par l'invention des banlieues ou autrement, ou se maintient par la tradition, c'est la preuve que les gens sont attachés à leur propre liberté. C'est une chose formidable. C'est une manière de sauver les langues. Pas seulement sauver les langues, sauver l'intelligence. Un test a été fait il y a 20 ans, selon lequel les enfants du Finistère, du Nord Finistère, étaient les plus nombreux le reçus dans les grandes écoles, et ceux qui étaient sortaient premiers à Saint-Cyr, Polytechnique ou ailleurs, étaient pour la plupart, il y a 25 ou 30 ans, ceux qui avaient été élevés dans le bilinguisme, c'est-à-dire le breton et le français. Merci, Jean-Hivernalier. Une grande série, unique en son genre, fait le bonheur des mercredis de France 3 depuis janvier 1995. Un siècle d'écrivains célèbre, cette semaine, la diffusion de son 100e portrait. Bernard Rapp en est le maître d'œuvre, il méritait d'être traité au même titre que les grands auteurs qu'il nous présente. Portrait en retour de Bertrand L'Aiguillon. Mais d'où lui vient cette passion pour la lecture? De l'adolescence? D'un stage au journal Le Monde ou de 5 années passées dans un hebdo économique? Ce Parisien de 51 ans a réussi qu'on arrête de le comparer à Bernard Pivot, même s'il a dû pour cela se passer un moment de ses lunettes demi-lune. C'est vrai qu'il collectionne les présentations d'émissions littéraires. D'abord sur Europe 1, puis France Inter, Caractère remplacera Apostrophe sur Antenne 2, puis Jamais sans mon livre sur la 3. Avec à ses côtés Florence Moreau, il dirige aujourd'hui une série de portraits de 260 écrivains, un siècle d'écrivains qui lui assure donc quelques lectures, tant mieux, il en raffole. Ceux qu'il fréquente le disent exigeant mais gentil, stylé et plein d'humour. Moi j'ai connu Bernard quand j'étais monteur, effectivement c'est un reporter qu'on voulait, hein. Il s'occupait, il était à la politique étrangère, il s'occupait beaucoup de l'Amérique du Sud. C'est une époque où il y avait des conflits en Amérique du Sud, donc il partait en reportage, il partait longtemps, il n'y avait pas de satellite à l'époque, il en revenait souvent marqué humainement, quoi. Puis c'est quelqu'un qui sait se mettre en scène quand il faut avec beaucoup d'humour. Je veux dire, quand une chaîne anglaise a lancé son télématin, c'était la première fois, donc il était correspondant à Londres. Et il avait fait son reportage en commençant dans sa salle de bain avec de la mousse à raser. Il était en train de se raser, il disait, bon voilà, on va regarder la télévision en prenant notre petit breakfast. Il sait se mettre en situation, même quand c'est un peu ridicule parce qu'il a plein d'humour. Et bien voilà, c'était donc du cinéma vérité aujourd'hui à Cannes, puisque les stars étaient de vrais princes et de vraies princesses. Alors, on a échangé beaucoup de compliments et puis aussi beaucoup de médailles. Et s'il manque ce soir encore une décoration Prince Charles, c'est tout simplement la Palme d'Or.
Bernard Rapp n'est pas du tout celui qu'on croit. D'abord, Bernard Rapp n'est pas du tout british, il n'est pas du tout anglais, il faut bien le dire, il est français comme vous et moi. Ensuite, on croit que c'est un homme extrêmement distingué, un petit peu snob même. Non, Bernard, il est capable, devant moi, cette anglaise, elle le faisait toujours avant l'émission pour détendre un peu l'atmosphère. Il raconte des histoires un peu cochonnes. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle femme qui venait assister à l'émission ou y participer, il faisait ce fameux truc que tout le monde doit connaître maintenant, qui est « Je vous parie 10 francs que je vais vous toucher le sein sans toucher au tissu de votre chemisier ». Et les femmes se laissent avoir par Bernard Rapp, tellement distingué, évidemment. Et donc, il leur touche le sein, il fait « Ah, j'ai encore perdu 10 francs ». Il y a des gens qui ne sont pas évidents. Il y a Lalanne, il y a Poivre d'Arvor, qui est un ami à vous, qui est con comme l'habite à sa marraine. Ça, vous irez le lui dire vous-même. Les dictons, c'est quoi? Oui. Oui, Bernard Rapp le disait, Londres... 1983, Bernard Rapp remplace Patrick Poivre d'Arvor, écarté du 20h. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est encore l'affaire du boy. Lui désacralisera le journal en tombant la cravate et partira avant qu'on lui dise de s'en aller. Qui fournit ce soir le principal titre de ce journal. Vous-même, vous ne regrettez pas de ne plus faire le journal de 20h? Eh bien, j'allais vous poser la question. Moi, pas du tout. Alors, pas du tout. On en a parlé avec Philippe et avec Jean. Et je me suis toujours demandé comment vous avez pu le faire pendant 13 ans. Effectivement, ça a été un grand moment pour moi d'arrêter le 20h et je crois que j'ai jamais été aussi heureux. Et le gagnant est, à ma grande joie, Bernard Rapp. De 87 à 89, Rapp récolte les 7 d'or. C'est l'époque où le tout Paris les enviait. Meilleur présentateur du journal télévisé, il en reçoit également pour une série de reportages tournés dans le monde entier et pour se moquer avec brio de l'actualité dans l'assiette anglaise, une assiette trop vite engloutie. C'est quelqu'un qui aime faire la cuisine, c'est quelqu'un qui aime bricoler, c'est quelqu'un qui a une vie tout à fait de monsieur tout le monde. Et puis c'est quelqu'un aussi qui peut se transformer en dandy ou en élégant d'un autre siècle. Je crois qu'il aime bien jouer aussi ça. On attache souvent au dandy un style très british. Il faut dire que cet ancien correspondant à Londres le cultive. Il nous a laissé cet inventaire d'objets très anglais. My telly is rich, ma maison aussi, il aime les maisons en hauteur et le cinéma pour avoir colisté plus de 11 000 films dans ce dictionnaire. Alors ce n'est pas anormal que l'homme de télévision se soit essayé au long métrage. Ce père de deux enfants, jeune premier à la mise en scène, est heureux d'annoncer la naissance de Tiré à part, un polar rempli d'ouvrages et d'écrivains. Bref, un univers familier. Alors Bernard, y aura-t-il d'autres romans à mettre en scène ? La réponse, Bernard Rapp. D'autres romans à mettre en scène? D'abord, moi, je suis très ému d'avoir vu tous ces gens avec qui j'ai travaillé, et qui, certains, je ne les ai pas vus depuis assez longtemps, et je ne sais pas, c'est bien, c'est émouvant. Alors, pour répondre à la question... Parce qu'un film Tiré à part va être bientôt diffusé sur les grandes salles. 22 janvier, sorti, oui, dans les salles. Alors, déjà un deuxième travail pour un... J'écris un deuxième scénario, oui, assez différent, ça sera plus proche de la comédie. Mais c'est vrai que le premier, c'était très important dans ma vie, au-delà de tout ce qu'on vient de voir. Un siècle d'écrivains est devenu l'un des programmes les plus importants de la télévision française, disons les plus prestigieux. Le succès n'est jamais prévisible, mais on peut dire qu'au départ, l'idée était très bonne. Tout a commencé en janvier 95. 1er janvier 95. 1er janvier 95, 100e numéro, mercredi prochain. Vous avez choisi Jacques Kerouac, et on peut s'étonner de ce choix. Certains attendaient un choix français. Oui, mais le choix français, il a déjà eu lieu. Le premier numéro de la collection, au 1er janvier 95, c'était Colette, merveilleux écrivain, français et française. C'était une femme, c'était important. Le 50e, c'était Paul Éluard, immense poète. Et pour la 100e, je voulais qu'on change un petit peu quand même. Il y aura 260 écrivains du monde entier. Alors, un Américain, pourquoi pas? Enfin, mais un canado-américain qui a marqué toute une génération sur la route, c'est quelque chose qui a compté pour notre génération. Et je voulais qu'on change un peu. Votre côté Rimbaud. Si vous voulez, c'est vrai que Kerouac est souvent comparé un peu à Rimbaud, enfin, on pourra en parler longuement. Et je voulais qu'on rende hommage à Kerouac. Et c'est bien. En plus, c'est un très beau film, plein de l'époque, plein de la musique de l'époque, avec des documents tout à fait extraordinaires. Centième donc mercredi, tout cela ira jusqu'à l'an 2000, cela donne encore 160 écrivains à regarder. Ben, c'était tout le jeu. Le jeu, l'idée de Jean-Pierre Cottet quand on a lancé cette collection, c'était de dire on va boucler le siècle. Et le siècle, il se boucle du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2000. Mmh. Alors on verra si on peut avoir du rabat après, c'est une autre affaire. Donc 260 semaines, 260 écrivains, un par semaine. On n'a jamais varié, donc si tout va bien, tout ira bien, parce qu'apparemment aujourd'hui tout le monde aime cette émission, on ira jusqu'au 1er janvier. Vous avez souvent dit que la télévision n'aidait pas à lire.
Vous avez fait des émissions littéraires, il y en a eu de célèbres, on se souvient d'Apostrophe, il y a encore aujourd'hui Bouillon de Culture, il y a Zazie, il y a l'émission de Jean Edernalier, il y a l'émission de Patrick Poivre d'Arvor. Vous prétendez donc que la télévision n'aide pas à organiser cette rencontre avec un roman Je ne dis pas ça. Je dis que la télévision ne fait, à mon avis, pas souvent acheter de livres. Parce que je pense que ça se passe autrement. La manière de consommer la télévision étant plus passive que la lecture. Il y a eu de grands exemples. La télévision a fait beaucoup lire. Je dis ne fait pas souvent. Oui. C'est vrai que notamment Bernard Pivot a eu une importance, je crois, très très importante dans la lecture des Français. Il a fait vraiment acheter beaucoup de livres et beaucoup de très bons livres. Cela étant, moi, j'ai renoncé à cette idée de vouloir faire lire les gens. Je crois simplement qu'une émission comme Un siècle d'écrivain permet de faire un vrai repère. Et si vous avez regardé le portrait de Colette, le portrait de Bernanos, le portrait de Nizan, quand vous rentrez dans une librairie, vous en saurez plus en passant près du rayon, du rayonnage qui évoque ses livres. Et je pense qu'être en intimité avec un auteur, c'est avoir envie peut-être un jour d'ouvrir son livre. En tout cas, quand on ouvrira un de ses livres, on saura avec qui on est. C'est ça le but de l'émission. Et puis c'est aussi laisser une trace, laisser une mémoire. Bernard Rapp, chez un auteur, vous privilégiez la vie ou l'œuvre ? Les deux, je crois que c'est... Intimement lié. Je crois qu'il faut que la vie s'éclaire de l'œuvre et inversement. Le reproche qu'on peut faire à la collection, c'est d'être trop biographique. Moi, je pense que c'est aussi ce qui intéresse les gens. Et je pense que savoir de quelle manière Inoue, par exemple, Yasushi Inoue, on va bientôt présenter son portrait, le très grand écrivain japonais, écrivait, dessinait, se promenait dans son pays, c'est intéressant pour comprendre l'œuvre. Et je pense que la vie éclaire effectivement l'œuvre. Alors, cette fois-ci, vous avez souhaité réaliser votre premier film, donc Tiré à part développe sa trame autour d'un livre. Il s'agit, je le répète, d'un polar. Premières images. Ça y est, Georges, c'est prêt. Toujours le même. La même couleur, le même caractère. Et pourtant, il me paraît toujours différent. Fabienne. Oui, je sais. Remercie. Il faut remercier, Fabienne. Les jurés, les journalistes, les attachés de presse, les amis des amis. Le Goncourt, Fabienne. C'est là que tout commence. Un de plus. C'est le troisième en 10 ans. Exactement le nombre d'enfants que j'aurais pu avoir. Félicitations, Nicolas. Vous tirez à combien ? On a remis 100 000 exemplaires dans le circuit. Au total, ça fera 200 000 exemplaires. On prépare un nouveau tirage. On est parti très fort. Combien ça me rapportera ? Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre inspecteur des impôts. 3 millions ? Et pour vous ? La même chose. Pour les éditions Récamier. On peut faire plus ? Si vous êtes télégénique, radiophonique, médiatique, si vous plaisez aux femmes, sans déplaire aux hommes, si vous êtes le copain des jeunes et l'ami des vieux, l'interlocuteur des minorités et le chouchou de la majorité, bref, si vous êtes universel, Nicolas, oui, on peut vendre plus. Alors on fera plus. Bernard Rapp, sorti donc de votre premier film le 22 janvier. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que j'ai vraiment très envie que ça marche. Et dans toutes les salles françaises. Voilà. Je voudrais quand même dire vraiment que c'est un polar. Oui, oui. J'allais le dire d'ailleurs. Voilà, le monde littéraire qui est autour est important. Il m'a permis de camper des personnages. Mais c'est d'abord un polar. C'est l'histoire d'une vengeance, d'une machination. C'est pervers à souhait. D'une cruauté absolue. En 10 mots exactement, c'est l'histoire d'un crime parfait dont l'instrument est un livre. Et je trouve que vous avez eu le bon choix pour les interprètes. Vous n'avez pas tellement hésité, à mon avis. Non, c'est fait très vite. C'est vrai que j'ai écrit sans avoir d'idée très, très précoce. Enfin, pour dire la vérité, quand j'ai écrit le scénario, et surtout quand j'ai fait les dialogues avec Richard Morgiev, on s'est mis en tête des personnages disparus. Moi, j'avais James Mason, des gens comme ça, pour ne pas se faire trop d'illusions. Et puis, dès qu'on a commencé à contacter les comédiens, qu'ils ont dit oui, on a immédiatement réadapté tout ça. Mais votre film, c'est tout de même toute l'ambiguïté d'une vengeance. Et on peut se demander, tiens... Comment pourrait-il se venger, lui, Bernard Rapp ? A-t-il des raisons de vouloir se venger de quelqu'un ? Écoutez, non, moi, enfin, oui, j'ai plein de gens à qui j'ai envie de casser la gueule. Mais vous êtes pervers, comme ce film ? Ben, les gens qui le voient disent que ça me ressemble. Oui, ça doit être vrai, mais je n'ai pas l'impression d'être très, très pervers. Encore que, moi, j'aime bien cet univers. Si, en fait, j'aime bien, je dois être pervers, effectivement. J'aime bien ce côté un petit peu feutré avec tout ce qui se prépare. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qu'il y a de beau dans une machination, c'est sa fragilité. C'est qu'on ne sait jamais si elle va aller au bout ou si elle va s'arrêter en cours. Et c'est tout le thème du film. Mais vous n'avez pas souhaité travailler pour la télévision comme ont pu le faire Patrick Chêne et Bernard Pivot, qui ont offert des scénarios. Non, moi je voulais aller au cinéma. C'est un vieux rêve, ça remonte à plus de 20 ans. Mais vous seriez capable d'abandonner la télévision pour ne faire
que du cinéma. C'est la tentation d'aujourd'hui, ça? Oui, moi j'aimerais faire du cinéma et me consacrer au cinéma. Cela étant, moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de choses. Mmh. En même temps, j'ai fait de la presse écrite, j'ai écrit des livres, j'ai fait de la radio, de la télévision. Je me sens plutôt... Enfin, je ne suis pas monomaniaque, mmh. J'ai jamais été, donc je ne pense pas le devenir. Oui, mais jusqu'à présent, la télévision a tout de même occupé l'essentiel de votre temps. C'est juste, bien sûr. C'est le journal télévisé, l'assiette anglaise, Caractère, jamais son bon livre. Vrai, c'est vrai. Bon, vous gardez de ce moment-là de bons souvenirs ou bien vous vous dites, non, j'ai raté ma route. Mais comment voulez-vous, je ne garde pas de bons souvenirs de ce qui m'est arrivé. Je suis quelqu'un qui a eu une chance formidable de faire ce qu'il aime. Journal télévisé, je disais tout à l'heure, content de l'arrêter. Bien sûr, au bout de 5 ans, on est content de l'arrêter. On a lassé d'annoncer toutes les mauvaises nouvelles au monde. L'assiette anglaise, j'ai adoré faire cette émission. On a eu un plaisir avec tous ces gens qu'on a vus. C'était peut-être votre émission, ça, l'assiette anglaise. C'était peut-être celle qui me ressemblait le plus, effectivement. Mais il fallait l'arrêter parce qu'on était arrivé au bout de l'exercice. Les émissions littéraires, j'ai un plaisir formidable à les faire. Donc j'ai pas me plaindre. Mais jamais sans mon livre, vous ne vouliez pas vous arrêter. Là, on vous a forcé. Ah oui, c'est la vérité, jamais sans mon livre. Donc c'est un échec, là. Oui, c'est un échec. Si vous voulez, enfin, ça a duré quand même près de 3 ans, donc c'est un échec relatif. C'est-à-dire, j'aurais pu continuer, j'aurais aimé continuer. Bon, il y en a qui ont jugé que je ne pouvais pas continuer. Attendez, dans le métier, ça arrive tout le temps, vous savez bien. Nous sommes à la veille de décembre et décembre est accordé au Téléthon. Vous n'avez jamais participé au Téléthon. Non, c'est juste. Tiens, alors, pour quelle raison? Comme si vous n'étiez pas sensible à une action humanitaire. Oh, je sais pas, je ne croyais pas ça. C'est pas simplement, je n'aime pas ma propre mise en scène. Je ne veux pas être méprisant. C'est très difficile de vous répondre. C'est un point de vue personnel. Moi, je trouve formidable que ces rayons, par exemple, Holtz qui font le Téléthon, heureusement qu'ils sont là. Ils sont importants. Mais je trouve que les gens qui sont de passage dans le Téléthon, et je ne veux pas les déconsidérer en disant ça, et on ne sait jamais s'ils sont là pour eux ou pour le Téléthon. Et moi, je ne veux pas rentrer dans cette ambiguïté. Alors, les 6 et 7 décembre, le Téléthon fête son 10e anniversaire, 10 ans déjà. Un sacré parcours, et nous avons rencontré l'un de ces milliers de myopathes, Hervé Garciou, qui était déjà avec nous en 1987. Reportage de Rachel Bossard. Hervé Garciou, 25 ans, est atteint de myopathie. On pourrait peut-être faire un papier là-dessus. Depuis 7 ans, il participe au journal de l'AFM, l'Association française contre la myopathie. Hervé est un des tout premiers malades à avoir participé au Téléthon. En 1987, on le découvrait jouant du violon lors du premier Téléthon. Les gens de l'association m'ont proposé de participer au premier Téléthon parce qu'ils trouvaient que le fait de ne plus pouvoir jouer du violon du fait de la maladie, c'était symbolique de beaucoup de choses, je pense. Donc, comme quoi, par exemple? Du fait que la maladie impose certains renoncements, enfin fait qu'il faut renoncer à certaines choses au cours de la vie. Pour ce premier Téléthon, 188 millions de francs seront récoltés. Un score battu dès l'année suivante, Hervé est toujours là et le Téléthon est un succès. Mais une rumeur déjà se fait entendre, on accuse le Téléthon de ne s'occuper que d'une catégorie infime de malades, les myopathes. 1989, déjà 3 ans que le Téléthon existe et Laetitia prend le relais. Un des aspects expliquant le succès de cette aventure, la participation active et la parole largement donnée aux malades. C'est cela l'espoir. Vous savez comment on vit dans un fauteuil? C'est important qu'on voit comment une personne en fauteuil roulant, qui se place en fauteuil roulant, vit au quotidien, quels sont ses problèmes. Le regard des autres est moins... et moins un regard de rejet. Moi, personnellement, c'est relativement facile de demander de l'aide dans la rue et ça se fait de façon naturelle aussi. Et c'était pas forcément le cas avant ou Je pense que c'était plus difficile. 1990, le Téléthon devient le Généthon. Les fonds récoltés ne concernent plus la myopathie seulement, mais les maladies génétiques en général. Grâce au Téléthon, elles ne sont plus taboues, et cette année-là, on atteint la somme record de 300 millions de francs. Le Téléthon, il est indispensable, c'est clair, il faut que tout le monde en ait conscience. Bon, les applications de la génétique, ça va concerner énormément de maladies, certainement le sida aussi. Bon, on voit bien qu'il faut que c'est une recherche qui concerne, je dirais... La plupart des grandes maladies de cette fin de siècle, quoi.
L'enjeu est considérable et le succès attire les polémiques. En 1991, Michel Gilibert, secrétaire d'État à la Santé, s'étonne que les fonds recueillis ne soient pas redistribués à toutes les associations d'handicapés. Résultat, l'opinion publique doute et les dons chutent de 25%. Mais en 1992, la publication de la première carte du génome, véritable événement pour la communauté scientifique internationale, et l'élaboration des premières thérapies permettent de reconquérir la confiance du public. Dès lors, celle-ci ne faiblira plus, encouragée par l'existence de personnes sauvées grâce à la recherche. Cynthia, qui a été la première enfant au monde à recevoir un gène greffé, un gène normal greffé. Là, il y a un grand bond en avant. À partir de... En 1995, on franchira même le seuil record des 300 millions de francs. Hervé, lui, n'est toujours pas guéri, même si l'on a pu identifier son gène en 1993. Mais il garde espoir et poursuit de brillantes études de littérature en attendant sa guérison. Moi, j'ai toujours cet espoir de guérison. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, mais c'est comme ça. Maintenant qu'on a identifié et localisé beaucoup de gènes, il faut s'attaquer à la partie décisive, qui est la mise au point des médicaments. Et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on a créé le Téléthon il y a 10 ans. Oui, on le voit avec Yves Réguilis. Et je me souviens, au premier Téléthon, on posait cette question aux myopathes, qu'attendez-vous? Et je me souviens de cette phrase d'une petite fille, j'attends un médicament. Ce qu'a répété ce garçon. Ouais. Mais quand je vois ce reportage, je me dis que j'ai probablement tort de pas y participer. C'est vrai que c'est essentiel que d'avoir de l'argent aujourd'hui pour donner de l'espoir. Alors, l'an prochain, des équipes différentes, toujours du service public, prendront en main cette manifestation, dont vous pourriez peut-être l'an prochain présenter. Mais vous seriez d'accord de faire ce que font aujourd'hui Claude Sérillon, Gérard Rolls, Michel Roy? Oui, enfin, ce que je ne veux pas, c'est participer. Je veux bien faire mon métier d'animateur, de journaliste, mais je n'ai pas envie de faire la prestation nécessaire à laquelle souvent les gens ne croient pas. Alors, vous le savez, Bernard Rapp, chaque Téléthon a son parrain. Le premier fut Jerry Lewis. Parce qu'il avait créé le Téléthon aux États-Unis. Et le dixième, celui d'aujourd'hui, celui du 6 décembre, s'appelle Thierry Lhermitte, entretien avec Christine Lenief. Et quand on voit des enfants comme ça, je veux dire, j'en ai vu quelques-uns, et puis certains d'à peu près. Bien sûr, quand on a des enfants, on ne peut pas ne pas penser qu'est-ce que ce serait si ma petite fille et mon grand-fils étaient comme ça. On est concerné. Bien sûr que c'est pas que c'est terrible, c'est que c'est incroyable, c'est qu'on découvre un ce que c'est que cette vie, deux ce que c'est que comment on voit la vie quand on a une vie raccourcie en durée avec une échéance plus courte que la nôtre, parce que c'est que ça. On va aussi perdre notre mobilité un jour ou l'autre. C'est un truc qui ne doit pas s'arrêter, parce que même si sur le séquençage, maintenant le généton ne passe pas la main, continue, mais je veux dire, ça a été repris, l'État arrive, le monde entier s'y met, la France ayant été le fer de lance de ça, et bien il y a la suite maintenant, il y a la thérapie génique qui commence, et un truc qui était impensable il y a quelques années, ben ça arrive là, cette année 97, donc ça il ne faut pas s'arrêter, parce qu'il y a la même incrédulité, il y a le même état d'esprit général qui dit « ça arrivera, c'est pas encore au point, il faut du temps ». Et ce que l'AFM a fait prendre conscience aux gens, c'est que pendant ce temps-là, le compteur tourne, la roue tourne et les malades déclinent. Il y a urgence, je veux dire, chaque minute de gagner, chaque journée de gagner. C'est un peu plus de vie, un peu plus de connaissances dans la lutte contre les maladies. Donc il ne faut pas que ça s'arrête. Thierry Lhermitte, nouveau parrain du Téléthon pour cette 10e manifestation. Alors Bernard Rapp, vous avez fait le bon choix en allant sur les chemins de la télévision? Je crois, oui, je crois. Surtout quand... Vous ne vous êtes de toute manière jamais interrogé? Ah si, on s'interroge tous les matins. Bien sûr que si, parce qu'on ne fait pas que des choses qu'on aime, on ne rencontre pas que des gens qu'on aimerait rencontrer, même si on y rencontre plutôt des gens plus intéressants qu'ailleurs. Non, ce qui est sûr, c'est que je suis rentré à la télévision en juillet 76, je m'en souviens précisément, et c'est une époque où la télévision était à la fois
un média plein d'espoir, une immense agence de voyage pour les jeunes reporters que nous étions à l'époque, et donc il y avait une folie. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Aujourd'hui, la télévision est un gros machin qui tourne presque tout seul, qui a son inertie. Il y a peut-être moins de passion à y mettre, hélas. Donc, mais moi, j'ai aucun regret. J'ai adoré ça et j'aime toujours. Vous savez, quand même, j'ai la chance de m'occuper d'une collection qui est unique au monde. Oui, mais vous regrettez quand même de ne pas présenter une émission littéraire. C'est sûr. Non, je vais vous dire la vérité. Non, c'est fini. Je l'ai fait pendant des années. J'ai très heureux. Caractère, jamais sans mon livre. C'était vraiment bien. C'est des émissions pour lesquelles j'ai beaucoup travaillé. J'ai lu 9 à 10 heures par jour pendant des années. Vous continuez de lire quand même. Je lis beaucoup moins. Je lis pas plus de 2-3 heures par jour aujourd'hui. Ça va encore. Mais cela étant, non, ça va. C'est un moment de ma vie. Vous savez, il faut avancer. Je veux dire, je vais pas commencer à me dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, ce que je pourrais refaire. Non. Puis je vais pas remettre mes pas dans les traces. Non, j'ai envie de faire d'autres choses. Vous êtes pris dans la course aux satellites. Vous vous passionnez pour Internet. Vous êtes dans cette recherche ou bien ça vous paraît complètement ailleurs? Je m'intéresse, je suis branché, je me promène, je ne suis pas très compétent, mais enfin non, je m'intéresse. Je vais vous proposer un sujet, je vais vous présenter une dame, elle habite Nice, elle a 75 ans je crois, nous on l'appelle Mamie Internet. Ah bon? C'est un reportage d'Olivia Delpont. Directement aller surfer sur Internet. Hello. Hello. De quel pays appelez-vous? Speak French? Ouais. Sorry. Bye bye. En principe, j'entends toujours aux environs de 5 heures, où je suis plus sûre de trouver des interlocuteurs francophones. Allô? Vous me recevez? Oui, je vous reçois, j'ai essayé de vous rappeler. Béatrice a 75 ans. Ses passions sont le cybermonde et l'informatique. C'est mon 6e ordinateur, Olivia. Moi, j'aime pas les fringues, j'aime les ordinateurs. Mon mari dit toujours en plaisantant, ma femme fait 2 collections, celle des ordinateurs et des cafetières. Qu'est-ce que vous apporte Internet, Béatrice? Un enrichissement et une présence. C'est quelque chose de palpable. C'est une présence que je trouve palpable, vous voyez? Autant que s'il y avait quelqu'un près de moi dans le salon. Après la perte de mon mari, c'est sûr, hein, ça m'a vraiment sauvé le moral, quoi. C'est comme si j'avais retrouvé une nouvelle famille, vous voyez? Je suis à la fois très sociable, mais un peu sauvage. Donc une famille dans l'anonymat, parce qu'on ne me voit pas. Quand on a des amis, et quand on a un souci ou un chagrin, enfin bon, ils ne sont pas forcément là à ce moment-là. Tandis qu'Internet est toujours là, nuit et jour, vous comprenez? Alors, vous avez fait des rencontres? Comment? Sur Internet, vous avez fait des rencontres? Je me suis fait une amie canadienne, qui s'appelle Marie Tremblay, qui habite à Sept-Îles, je ne sais pas où c'est, au Québec. Alors elle me dit, tu viens au Québec, t'as que le voyage à payer, tu t'habiteras chez nous et puis t'auras point de frais du tout, tu peux venir. On parle des bécanes, comme on dit. Hein. De votre bécane. Voilà, on me demande ce que j'ai, etc. Internet, pour moi, c'est le paradis. C'est l'anti-solitude, c'est, comment dirais-je, une possibilité d'agrandir sa culture générale, de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde et de toujours centrer sur son petit univers. Vous pourriez vous passer d'Internet? Ben maintenant, ça me serait difficile, j'avoue. Le net remplace les vrais amis? Avec les gens de mon âge, il y en a malheureusement trop qui parlent que de leur rhumatisme, de leurs recettes de cuisine, de leurs problèmes avec leur bonne qui les a plaqués ou qui travaillent mal, etc. Et c'est pas mon truc, hein. C'est clair, Béatrice, son truc, c'est le net. Vous le voyez, Bernard, Béatrice ne vit que grâce à Internet. Et là, je m'aperçois que c'est une arme contre la solitude. Mais je n'avais pas prévu ça. Mais c'est génial qu'il y ait des gens comme ça. Cette femme, c'est vrai, quand elle raconte qu'aujourd'hui, elle évite les discussions que souvent les vieilles personnes ont entre elles. Elle existe ailleurs et puis elle ouvre sur le monde. Ah, c'est une ouverture d'esprit géniale. C'est bien, cette femme, je suis ravi. J'aimerais bien la rencontrer. On peut organiser cette rencontre. Quand j'irai à Nice, j'irai la voir. Ouais. Bernard Rabe, merci. Rappelle donc pour mercredi, 100e d'un siècle d'écrivain. Et puis, prêt à part, votre premier film. Qui sort enfin sur les écrans et de Paris et de province le 22 janvier. Merci. Merci.
Pour terminer, des images qui viennent d'ailleurs. Au Mexique, il y a aussi de sacrées soirées. Fin de ligne de mire, merci à nos invités, Bernard Rapp, Jean Hidernalier, merci à vous tous qui avez su nous accompagner. Bonne journée, bonne semaine, petite précision, ligne de mire est rediffusée demain, lundi, après minuit. Au revoir. Dans le danger rôde, Matula et Franck sont au garde à vous. Un cas pour deux tout de suite sur France 3. Vous savez y jouer ? Oui, pas trop mal. Ce soir sur France 3. Vous voulez jouer une partie ? Moi contre vous, vous contre moi. Pourquoi pas ? Avis à ceux qui pensent que le meilleur flic d'Europe est mûr pour la retraite anticipée. Voilà. Ça s'est passé de cette façon. Je le sais. Ah, ça a changé. L'interrogatoire musclé. Ce soir à 20h50 sur France 3, le Derrick sonne toujours deux fois. Qui vous suit. Une Audi A4 Quattro. Heureusement pour vous. Audi A4 Quattro. Moi, vous parlez de Madrange ? Madrange, je l'aime. Il a tant de caractère. Maison de qualité depuis 1924. Objectif atteint. Expédition L52, laboratoire Lenning, totale réussite. Tout va bien, ne prends pas froid. Pas de problème. Dès les premiers symptômes, je prends L52, un médicament homéopathique. L52 aide l'organisme à se défendre contre les états grippaux. L52 est un médicament homéopathique des laboratoires Lenning. Vite, papa, ça va commencer. C'est vrai, on va rater le début. Pas assez d'âge de munitions. Ah non, Céline, pas ta musique technico. Techno. Et puis d'abord, je travaille. La symphonie inachevée, vous connaissez ? Non, mais si tu te tais pas, c'est moi qui vais t'achever. Ah, ma petite fille écoute du Schubert. C'est pour mon exposé. Et avec l'encyclopédie multimédia Microsoft Encarta, c'est hyper facile. Je peux prendre plein de textes, plein d'images et les mettre comme je veux. Regarde. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de notre jeu Famille en question. Nous sommes en direct avec la famille Bazin. Première question, histoire.
quel explorateur européen découvrit l'Inde en 1498? Christophe Colomb. C'est à vous. Ah non, 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 non. Je clique sur fonctionnalités, médias, j'avance dans la chronologie. Vasco de Gama. Mais décide-toi. Oh, dis donc, toi. C'est bien Vasco de Gama. Bravo. Super ton truc. Pas touche. Si tu veux en savoir plus, t'appelles au 01 46 88 6000. C'est le numéro de Microsoft Encarta. Merci. Le basilic est une plante aromatique, mais aussi un... Je tape basilic dans la recherche. Un reptile. Oui, oui, c'est exact, c'est un reptile. Cité l'un des deux champions à avoir remporté un doublé historique Atlanta. C'est trop récent, on n'a rien là-dessus. T'inquiète, avec son système d'actualisation en ligne sur Internet, Encarta a de nouvelles informations chaque mois. C'est Marie-Josée Pérec. Oui, oui. Bravo, ouais. Merci, mamou. C'est elle qui m'a offert Encarta. Je ne vous savais pas brancher CD-ROM. Si vous voulez faire un numéro, mon cher gendre, faites celui d'Encarta. 01 46 88 6000. Vous venez de gagner un magnifique séjour sur l'île d'Ivaoa. Où est-ce, Ivaoa? Je vous dis ça tout de suite. J'ai aussi l'Atlas Multimédia Microsoft Encarta. Ivaoa, c'est... aux îles Marquises. Ah. Merci les enfants. Surtout merci Encarta. Encarta, la référence mondiale des encyclopédies multimédia. Toujours prêt à vous cultiver en vous amusant. Et vous en auriez bien besoin, mon cher. Oui, eh bien, bravo encore la famille Bazin. Et... Que vous ayez ou non un ordinateur PC, pour en savoir plus sur l'encyclopédie et l'Atlas Microsoft Encarta, appelez dès maintenant le 01 46 88 6000. Voici un événement de portée nationale, le forfait SFR. À 3 heures d'appel, régionaux et nationaux. Et disponible partout en France et pour 295 francs TTC. Et en plus, grâce à l'étendue du réseau SFR, vous pouvez appeler et être appelé sur votre portable partout en France. Essayez de trouver un seul argument pour ne pas choisir le forfait SFR. J'attends... Faut attendre ici, mon gars. La marée arrive. La marée. Bon, ben, vous m'appelez. SFR, le monde sans fil est à vous. Fatigué. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vivamine, un médicament réservé à l'adulte. Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent. P.A.P.A.R.I.R.I. Paris. Et à Paris. Moi, je cherche la Tour Eiffel. Auriez-tu une idée où qu'elle se trouve? À la Tour Eiffel? La Tour Eiffel. On m'avait pourtant dit qu'elle était là. Bon, fini la petite auto. Père, je passe. Fini les vacances au crottoir. Oh, je passe pas. Fini le tiercé. Lundi à 20h50 sur France 3, avec Jean Lefebvre, gros bouchon à prévoir sur le périphérique. Jurez,